La loi de Moïse contient des préceptes cérémoniels en quantité. Et ces préceptes cérémoniels, peut-on dire qu'ils annonçaient le Christ? D'abord, il faut reconnaître qu'ils sont une quantité immense. Il y a trois sortes de préceptes dans la loi de Moïse. Des préceptes moraux, par exemple les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ils sont toujours valables. Des préceptes judiciaires. Une loi, un code civil, qui ressemble fort au code de Babylone d'ailleurs. À l'époque, on trouve des codes de loi qui ressemblent, qui est assez primitif, qui est écrit pour un peuple primitif. Ce code de loi, il n'est plus valable. Et les Juifs ne l'appliquent plus, sinon ils lapideraient des femmes. Et puis enfin, des préceptes cérémoniaires. Par exemple, l'interdiction de représenter des images, de créatures, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que l'image pourrait être adorée. Ce précepte cérémoniaire-là, il est aboli, parce que Dieu s'est fait homme entre-temps. Et donc, on a une image de Dieu à travers Jésus. Image en contemplant sa vie intérieurement, mais image aussi extérieure, quand on le voit. On voit le charme, la beauté de ce qui rayonne de Dieu fait homme. On dit qu'il y a plus de 600 de ces commandements, et certains, véritablement, annoncent le Christ. Prenons simplement les préceptes cérémoniels de la Pâque. Prendre un mouton, ne pas casser ses os, prendre du pain, ne pas le faire se lever parce qu'on est parti en précipitation. Quel est l'agneau immolé dont pas un os ne sera cassé? C'est le Christ, évidemment. Donc l'agneau dont le sang était sur le montant des portes des Hébreux, si bien que l'ange ne les frappait pas. Il n'était pas mis à mort le jour où les aînés des Égyptiens furent tués. Et le symbole du Christ, lorsqu'on regarde le Christ crucifié et son sang, on ne meurt pas au point de vue de la vie spirituelle parce qu'on sait que Dieu est amour, puisque c'est Dieu qui a voulu vivre la même chose que nous pour nous montrer qu'il ne voulait pas nous écraser, mais nous sauver. Et que les souffrances qu'il permet pour nous ne visent pas à nous détruire, mais à nous conduire à un cœur humble. Il est impossible de prendre ici, en 3 minutes, la totalité de ces préceptes cérémoniels, mais les pères de l'Église étaient très forts pour montrer le sens allégorique, spirituel, de cette loi de Moïse qui annonçait le Christ. Je dirais que tout parlait du Christ, mais aussi de nos âmes. Simplement, elle le faisait sous forme charnelle. Et ce sens est encore valable aujourd'hui. L'alliance en Israël n'est pas terminée. Quand on regarde Israël actuellement, avec la bande de Gaza, une écharde dans sa terre, qui ne le laisse pas tranquille, et puis des peuples entourent qui veulent le détruire, c'est l'image de nos âmes. Nous avons en nous une écharde, un défaut majeur, qu'on n'arrive pas à régler, et autour de nous, des ennemis qui veulent nous séparer de l'amour et de l'humilité, pour nous développer l'orgueil, la solitude, la dureté du cœur. Ces ennemis sont les diables, mais aussi nos prochains quand ils se comportent mal. Ainsi, on le voit, le peuple hébreu est toujours prophète dans sa chair, dans son histoire, jusqu'à la fin du monde.